Coucou Mono, c'est une petite vidéo de la part de presque tout le monde pour te dire déjà combien tu vas nous manquer et qu'on est déçus. C'est vrai que tu partes d'Annecy. On sait que tu es très triste de ne plus avoir ton petit appart rue Sommeiller. Mais maintenant, nous, on est moins triste que toi parce qu'on sait très bien que tu vas revenir chez nous. Parce que j'espère et que tu sais que tu es la bienvenue chez nous, qu'on t'accueillera toujours à bras ouverts. Voilà, une petite vidéo pour aussi te prouver qu'on ne t'oublie pas. Qu'on a passé trop de souvenirs ensemble, trop de moments et qu'on a beaucoup trop de souvenirs avec toi pour t'oublier et qu'on en aura encore beaucoup d'autres quand tu reviendras à Annecy. Voilà, écoute, je te laisse découvrir cette petite vidéo. Tout le monde a participé, tes amis surtout, mais aussi quelques petits bonus à la fin. Voilà. Pour ma part, tu sais que tu auras toujours ton petit lit douillet préparé par mes soins. Voilà, écoute, je te laisse profiter de ta vidéo et je te dis à très bientôt. Gros bisous! Coucou mon OC, petite vidéo du bout du monde pour toi. Je pense très fort à toi. Mercredi matin ici à Auckland. Petite surprise de tous tes amis pour ton départ, qui n'en est pas un parce que tu as une petite maison toujours. Voilà, petite anecdote de 30 rue Sommeiller, je sais pas, Jesse McCartney sur l'ordinateur à l'étage à côté de ta chambre à chanter les chansons, ça c'était bien marrant. Sinon, j'en sais rien, les cookies en bas, la salle de sport juste en face. Mais bon, peu importe, t'as toujours ta maison, t'as chez Caro, t'as chez moi, t'as chez Aurèle. Et puis c'est pas loin, hein. Je pense que Mâcon-Lyon ça le fait par rapport à. Mâcon-Annecy ça le fait par rapport à Annecy-Nouvelle-Zélande. Je pense à toi très fort, je voulais me mettre sur le balcon, je trouve ça plus stylé, mais pas tellement en fait. Gros bisous mon Océ, hâte de te retrouver, j'espère que cette surprise te fait plaisir. On a l'air con, mais je pense que tout l'immeuble en face te demande qu'est-ce que je fais à regarder une caméra. Voilà, je pense à toi, grosse surprise. Bon déménagement et puis le changement, ça fait du bien. Allez, gros bisous, Mono! Coucou mon Océ. Je te fais une petite vidéo pour ton départ d'Annecy, qui est bien triste. Et d'ailleurs, j'étais toute peinée de ne pas pouvoir être là à ta petite soirée. C'est dans ces cas-là que être exilé à Paris, c'est quand même bien rude. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a que ta maman qui bouge, nous on est toujours à Annecy et tu seras toujours la bienvenue, ça c'est sûr. Et voilà, mais c'est quand même un peu triste ce petit appartement, il y avait tellement de petits souvenirs, trop bien. Bon, c'est sûr que ça va nous manquer, mais de toute façon, Mâcon c'est direct sur la ligne Paris-Annecy, donc je m'arrêterai la prochaine fois. Voilà, j'ai trop hâte de te voir, ça fait trop longtemps. J'espère que t'es pas trop triste, mais y a pas à être trop triste parce que de toute façon, que ce soit chez Caro, Aurèle, Marion ou moi, je sais que tu trouves un petit endroit pour crécher à chaque fois. Voilà mon Océ, je te fais des énormes bisous, j'ai hâte de te voir. J'espère que tu vas bien, je sais que tu vas bien, mais. Voilà, je serai à Annecy dans pas longtemps, en mai, donc je veux te voir. Voilà, gros bisous. Coucou Maossé, une petite vidéo pour te dire que je regrette vraiment de ne pas avoir pu venir pour ton pot de départ pour Mâcon. Mais tu es la bienvenue quand tu rentres à Annecy. Il y a tout plein de gens qui t'accueillent et moi j'en fais partie, donc tu peux toujours venir dormir chez les belles. Et alors, une petite anecdote de nous ensemble, c'est la fois où on est allé faire du roller pour faire le tour d'Annecy. Donc on était. Enfin, t'es toujours partante pour les trucs, on est vraiment que toutes les deux à faire ça. Donc c'était super sympa, je m'en souviens.
Et aussi l'après-midi customisation de pots de confiture et on avait fait une super confiture à la poire et aux abricots. Voilà, je te fais plein de bisous et puis à très bientôt. Oui, ça marche. Bonjour Minette. Eh bien, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire qu'on a déjà passé pas mal de temps ainsi ensemble. On a passé beaucoup de temps dans tes escaliers, dans ton appartement et tout ça, mais ce n'est que le début. Donc ça continuera à Mâcon et puis après. Donc c'est très bien. Bisous! Salut Océ, bah moi je te fais des gros bisous des États-Unis. Bisous. Et ça marche, yes, ça marche la vidéo. À ta soirée de départ. départ et on voulait faire un petit coucou et juste avant de monter parce qu'on est à l'étage bien sûr dans une chambre inconnue et juste avant de monter on se remémorait les petits souvenirs toutes les qu'on avait anecdotes qu'on a eues ensemble surtout au collège en fait et moi je me suis remémorée non mais on s'est pris à fou rire en cinquième. La première fois où Emma nous a appris à fumer au Marquisa dans les petits bois ah, derrière les arbres, de la on se cachait. Et on se cachait. Bref, du coup, toutes les petites anecdotes qui nous reviennent en mémoire et tout ça pour tous dire qu'on a passé qu'on a des passé super passé moments. Que, avec toi. Moi, je sais que j'ai grandi avec, bah, avec vous, avec tous les souvenirs que j'ai. Donc, du coup, ça nous fait bizarre que tu t'en ailles, mais que. C'est un premier pas dans une nouvelle vie, que de toute façon on va tout partir petit à petit. Et que c'est pas parce que ta maman s'en va que. Oui, que toi de toute façon tu resteras toujours attachée à Annecy. Que... Et que nos maisons sont tes maisons. Voilà, nos maisons sont tes maisons, comme ça t'en as plein maintenant. Mais on s'est remémoré aussi plein d'autres trucs. Les petits œufs des poussins, parce que ça reste quand même une. Les balades une à vélo. Aventure. Les longues balades à vélo. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des choses. Et les quand veilles de rentrée. Quand, oui, les veilles de rentrée, quand on se mettait ouais, au Marquisa sur les pontons. Et qu'on allait il était trop beau et qu'on se demandait si on allait voir un casier. Et la fois, on avait fait l'expédition pour aller voir quand. C'était quand on rentrait en quatrième. Du coup, on passait de l'autre côté. C'était en quatrième ou on passait de l'autre côté de la passerelle? Ouais, c'est en et du coup, quatrième. Ouais. Voilà, et du coup, on avait des casiers. On avait fait une expédition pour voir quel casier on aura. Donc, comme dans les et films. Surtout, M, le truc que tu m'as dit. C'était quoi? Ah oui, alors ça, alors c'est, ça c'est là. J'espère que ça a changé maintenant, je sais pas. Mais... Ça a fait toute notre enfance. Parce que quand même, pendant des années, on faisait le parcours, moi qui allais chercher Océane, on allait chercher Marion après Caro. Et Océane, je partais vers 7h20, je sonnais, Océane qui disait j'arrive, tu peux être sûr qu'un quart d'heure après, je me pelais toujours les biches en bas chez nous. Et même, on se faisait chier à attendre là, en bas de nos immeubles, mais bon, moi j'avais pris le truc. Après, je descendais plus, j'attendais que vous sonniez à l'interphone. Parce que en fait, c'était Océane qui mettait toute la tribu en retard. C'est vrai qu'Océane était toujours là. Bon, on savait très bien que si jamais les filles étaient en retard, c'était juste à cause de toi. Ça, on le savait. Hein. C'est connu que t'étais toujours à la traîne. Voilà, donc plein de petits souvenirs qu'on a qu'on n'oubliera pas. Et puis j'espère qu'on en aura de nouveaux. Oui. Parce toujours. Que même si on avance à compte dans notre vie, on. Des nouveaux on essaye de se voir quand même de temps en temps et puis nous on viendra te voir. De toute façon tu viendras à Annecy, t'as tous tes amis à Annecy, tout le monde on sera toujours là. Et puis tu viendras à Aix-en-Provence maintenant que je serai sûrement à Aix. À Grenoble si tu veux, mais bon je suis jusqu'à quand j'y suis. Et ça nous fait plein de points de chute comme ça, c'est cool aussi, ça nous fait plein d'endroits où aller. Ouais. Et puis il faut qu'on se fasse un petit week-end depuis le temps qu'on dit qu'on fera un petit week-end tous les quatre. Mais on se fait absolument pas de soucis du fait que ta maman déménage et que ça veut pas dire qu'on te verra beaucoup moins ou que ça changera quelque chose entre nous, vu tous les souvenirs qu'on a pu se remémorer. C'est clair, mais surtout qu'on n'en dit pas un centième de ce qu'on a vécu ensemble. Si on a des. Des petites des perles, des on perles revient, qui reviennent. Bon, en tout cas, aussi, merci beaucoup pour cette soirée, c'était cool. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais j'ai tous mes examens et là, c'est un peu la. C'est un peu la panade. Donc voilà, j'espère que tu vas bien continuer dans tes études, que tout va bien se passer, qu'on va réussir nos examens et puis qu'on se retrouvera. De toute façon, on va pas se retrouver parce qu'on va jamais se laisser. Voilà, donc, t'es voilà. Quitté. Voilà. On te fait des gros bisous, Mao. Bisous. Et c'est bon. Coucou Matt.
petit EC. Donc je te fais une petite vidéo juste pour te dire que je suis très triste que ta maman déménage à Mâcon, parce que du coup ça veut dire qu'on ne te verra plus à Annecy. Mais ça veut dire si tu rentres, on pourra quand même essayer de se voir. Et j'ai aussi une petite anecdote à te raconter. Je sais pas si tu te rappelles au lycée, quand on était en terminale et que Caro et toi étiez devant moi et Paul de... assis, et ben vous retourniez exprès juste pour trifouiller dans ma trousse et pour voir si j'étais maniaque. Et oui, je suis maniaque, donc on ne critique pas. Mais je voulais juste te rappeler ça et que tu penses à moi de temps en temps, parce que je pense à toi aussi de temps en temps. Je te fais plein de bisous, ma belle. Bisous. On a des excuses. C'est qu'il faut qu'on dise un truc, Océane, parce que c'est là depuis longtemps et c'est difficile parce que. On s'est trop moqué et là on devient plus drôle aussi. Non, on s'en veut vraiment. Ton front. Non, vas-y, dis-le. On s'est toujours moqué de ton front et. Il est dans les normes, hein, je te jure. Il est pas si grand que ça aussi. Hein. Rapport au filtre de Coralie, c'est rien, mais vraiment désolé. Donc on s'est trop moqué de ton front et. Il est normal et toi aussi t'es normal et tout et. Non, sérieux. Un balai mouchoir. Youhou. C'est un jour de fête. D'accord. Ouais. On peut dire qu'on t'aime très fort. Non, mais ça c'est bateau. Ça c'est bateau. Ça c'est bateau. Mais ça le sait déjà. Oui. Ma petite Océ, tu t'en vas. Mais comme on te l'a dit, t'as plus une maison maintenant. T'en as 6 millions. T'en as une à Annecy, t'en as une en Savoie, t'en as une à Lyon. Chez Patoche, tu peux dormir chez Patoche quand tu veux. Y'a pas de soucis, il est très ouvert. Tu verras ça par toi-même. Très ouvert. T'en as une en Ardèche, t'en as une à Saint-Étienne. T'as 1000 maisons, d'accord, ma petite Océ. Qu'est-ce qu'on veut lui dire d'autre? Oui, on l'aime très fort, oui. Surtout on l'aime très fort. On va encore bien rigoler. On va venir à ton mariage, hein, surtout. Tu lâches pas ton Aurel. Mais il te lâchera pas non plus, va. Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis voilà. Et puis voilà. Bisous, Maus. Ah si, ça va, c'est bon. C'est bon. Alors, Océane, écoute, on a appris ton départ. Du coup, on est venu là ce soir pour fêter ça. Mais on te cache pas que ça nous attriste profondément. Qu'on est démoralisé. Certes. À toi. Océane, sans des yeux larmoyants, je m'adresse à toi avec ce dernier message. Nous autres âmes contemporaines annéciennes sommes totalement dévastées par... Une telle nouvelle ? Une telle nouvelle, globalement. On n'est pas habitué. Enfin bref, c'est un peu... tu vas beaucoup nous manquer, mais bon, tu peux toujours revenir faire une Giuliani 2012 chez Félix, d'une part. Se mettre une caisse dans la piscine, d'autre part. Et squatter chez Aurélien, je pense qu'Aurélien est à cœur. Et globalement, je pense qu'on peut dire que... Tu vas nous manquer, Fiotte. On t'aime, Fiotte. Fiotte. On t'aime, Fiotte. On t'aime. Ciao. Là. C'est parti. Bon allez, tu commences ton rap. Tu veux passer dans le bêtisier. Ouais, grosse. Bien ou bien. Représente. Représente le 60. 14. 74 Annecy, Haute-Savoie. 011 Bourg-en-Bresse. Le 92, 92i, 92easy. Bien sûr, bien sûr. C'est ce truc, faut le dire. Non, mais c'est pas grave. On coupe pas, on représente. On représente, on sait, on te kiffe. Ce flow de fou. On a du flow à la mort. Non, mais mon EC, moi je te fais plein de gros bisous. Je t'aime trop vivement la taille. C'est pour nous, tu représentes le love. Il la fraternité, tout ce qui est à bonté, les châteaux de Lego avec des petites subtilités. Les grosses rimes. Ah non, je peux pas faire plutôt avec Anaïs et Faustine la vidéo, je vais pas rapper. Coucou mon EC, alors tu vois, j'ai essayé de faire un rap avec Gubert et ton frère, et ça a été un échec cuisant, donc du coup je refais la vidéo avec Anaïs et Faustine. Et Anaïs, elle a un truc super important à me dire, mais ça vient du fond du cœur, du fond des tripes même, je dirais, tu vois. Et je te laisse l'écouter parce que vraiment c'est trop émouvant. Bon, ma petite EC, est-ce que tu te souviens un jour qui faisait très très beau?
On avait décidé toutes les six de faire un petit tour dans les airs, tranquillement. Le parapente, tranquille, et puis à l'atterrissage, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Une petite envie pressante. L'émotion. L'émotion, beaucoup d'émotion entre nous. Il était en symbiose, toutes les deux. Faustine a payé le prix fort. Voilà. Donc voilà, rien que pour ça, merci aussi de me soutenir dans ces moments-là. Merci. Et Faustine. Et ouais, et puis bah moi du coup bah je suis un peu le témoin de tout ça parce que du coup bah, j'ai un peu subi l'accumulation d'Anaïs. De notre amour aussi, de voilà, notre amour. C'est, hein. C'est une preuve de mon amitié vraiment très profonde. très profonde. Bisous. On te fait plein de gros bisous, on t'aimera toujours. Bon, alors ma petite OC, maintenant qu'on est là. Du coup, je voulais te parler, vu que tu t'en vas et que du coup, ça va être l'occasion de te livrer et de m'ouvrir pleinement et entièrement à toi. Du coup, ce qui se passe, c'était que je voulais encore te parler de ce tragique événement qui s'est passé en troisième à Saint-Michel, où comment expliquer la chose t'étais dans un groupe où t'étais dans un petit clan là avec plein de nanas et en gros moi j'étais passé pas loin à côté avec je sais plus qui genre Gaspard et tout ça et à un moment tu t'es retourné et du coup bah moi je me suis dit pris d'un élan d'amitié profond et sincère envers ta personne je me suis dit je vais lui dire bonjour à la petite Océane qui m'a l'air bien sympathique comme jeune fille et du coup je t'ai dit un bonjour franc et sincère et qu'est-ce que j'ai pris en retour et ben je me suis pris un putain de bide genre bien vénère et depuis ce jour et bien je dois t'avouer que je suis un peu traumatisé enfin ça me voilà quoi j'arrive plus à vivre et en soi j'y pense assez régulièrement et chaque fois que je te vois ça me voilà tu vois genre le truc un peu vénère là un peu profond et donc du coup voilà vu que tu t'en vas et ben voilà tenez à ce que tu le saches et que vu que tu seras loin et j'espère que tu auras plein de remords toute ta vie et que tu y repenseras quand tu me reverras et donc voilà et donc du coup plein de bisous et puis voilà allez ciao. Coucou Océane, tu es la bienvenue chez nous quand tu veux, chez toi, chez nous, toujours, nous on sera très heureux de t'avoir. Ciao. Voilà ma petite Océane, la clé dans le pot de fleurs, ta chambre sera toujours prête. Le lit est déjà fait et les gaufres sont chaudes. À très bientôt. Gros bisous, ma petite Océ. Coucou Océ. Coucou Océ. Ils t'ont tous dit que chez toi, c'était chez eux. Mais c'est vrai. Mais vraiment, chez toi, c'est 16 rue du Paquet. Tu connais le code. Et ça, c'est vrai. Et vraiment tu es vrai. La bienvenue. Quand tu veux. Quand tu veux. Bisous. Bisous.